أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام dit cette parole extraordinaire. فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ce hadith-là nous interpelle sur plusieurs points. Le point où, subhanallah et al-Azim, il y a des gens qui sont déjà prédestinés au paradis et à l'enfer. Alors à quoi ça sert de vrai, subhanallah? Un autre point, il y a des personnes qui toute leur vie font des actions des gens du paradis. Walakin à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre en enfer. On se pose la question pourquoi? Alors que toute leur vie, ils ont fait des efforts. Et ce hadith également est un hadith qui a fait en sorte qu'énormément d'orientalistes ainsi que de grands scientifiques sont rentrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Abdurrahman, mashallah, tabarakallah, ou Abu Abdurrahman ibn Mas'ud qui rapporte ce hadith, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que chacun d'entre vous va se constituer, se créer dans le ventre de sa mère dans des périodes de 40 jours. Subhanallah. Les 40 premiers jours, on est tel une sorte de alaqa. Al-alaqa, c'est comme une accroche. Et lorsqu'on voit, subhanallah, dans les sciences humaines, dans la biologie, on voit que lorsque, subhanallah, l'ovule a été fécondé, eh bien, elle monte, subhanallah, au sein de la trompe et elle s'accroche telle une alaqa, une accroche. Allahu Akbar. Et des grands scientifiques, ils ont dit, mais comment ça se fait que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait avoir cette information-là? Après cela, il sera comme une sorte de mudra. Et le mudra, c'est quoi, mes frères? C'est que vous prenez, en fait, quelque chose que vous mâchez. C'est ça qu'on appelle al-mudra, quelque chose qui a été mâché. Et ça ressemble, subhanallah, à une sorte de petits vers de terre, comme ça, une sorte de forme incurvée. Et ça, le prophète, alayhi sallam, non plus, il ne pouvait pas le voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Après cette première période de 40 jours, telle qu'il est al-alaqa, dans cette deuxième période de 40 jours, où il devient une mudra, à la troisième période de 40 jours, donc là on parle de 4 mois, Allah jalla fi'ala, comme chacun de nous, toutes les personnes ici présentes, ils ont affaire à ça, yursalul malak, on va lui envoyer un ange, wa yu'maru bi arba'i kalimat, et on va lui donner 4 décrets. Bi katbi rizqihi, la première des choses qu'on va nous donner, c'est combien nous allons, subhanallah, avoir dans cette vie d'ici-bas. Et ça, ça doit nous faire peur et nous faire réfléchir et en même temps nous tranquilliser. Bi katbi rizqihi, c'est-à-dire avant même, subhanallah, que tu puisses inspirer ta première inspiration de cet oxygène, Allah il avait déjà décrété combien de temps tu allais vivre, combien tu allais gagner et combien d'inspiration tu allais avoir. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler que vous êtes en train d'inspirer, expirer. Vous êtes en train de respirer depuis tout à l'heure, vous ne vous rendez même pas compte. Wallahi al-Ali al-Adim, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, Allah il avait déjà décrété combien d'inspiration et expiration vous aviez. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes. Ils sont en train de marcher dans la rue et d'un seul coup, ils n'arrivent plus à respirer. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, ton taux d'oxygène que tu devais récupérer, il est fini. C'est-à-dire que tu es là et tu as envie de respirer, mais tu ne pourras plus respirer. Pourquoi? Parce qu'Allah, ton reste de ton oxygène, il te l'avait déjà écrit. Et nous, des fois, on est triste. Subhanallah, il est mort. Wallah, il marche dans la rue, il est mort. Mais ça y est, ton reste, il est fini. Comme lorsque tu n'as plus d'argent, comme lorsque tu n'as plus de nourriture qui t'a été écrite, c'est fini. Allah, subhanahu wa ta'ala, il reprend notre âme. Il reprend son âme. Parce que nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses que l'ange est en train d'écrire, biket bil esprit. Tu as eu une grosse somme d'argent, tu l'as perdu? Eh bien, non. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allah il l'a mis entre les mains et il l'a récupéré. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me... Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans le ventre de ma maman qu'Allah il avait déjà écrit cette chose-là. On est venu, on t'a volé l'argent. Eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, tu retrouveras le voleur yawm al-qiyama. Walla que tu n'as pas à te morfondre. Oh là là, j'aurais pu faire. Oh là là, j'aurais pu. Non. Allah, il a dit, c'est écrit, c'est fini. Pourquoi tu prends la tête? Sois soulagé. Ahmed Rabbi subhanahu wa ta'ala. Sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah, jalla fi'ala. Parce qu'avant même que tu sois né, avant même que tu respires, Allah, il avait déjà écrit
الله أكبر ton رزق. Et de tous les risques que je suis en train de vous parler. Ensuite, بكتب رزقه وأجله. Une fois que le risque il a été écrit, eh bien on sait quand tu vas mourir. Il y en a qui disent, tu es mort d'un accident. Miskin, il est mort d'un cancer. Miskin, il est mort parce qu'il a trop mangé. Miskin, oui, ce sont les causes. Walakin, wallah, il y a des gens qui fument jusqu'à 90, 95 ans, ils ne meurent pas. Il y en a d'autres, subhanallah, ils ont une vie, une hygiène pas possible, ils ne meurent pas. Il y en a d'autres, ils sont en excellente santé, ils jouent au foot, ils gambadent, on a vu des vidéos comme ça, et subhanallah, ils tombent d'un seul coup, ils meurent. Allahu Akbar. Mais Rasulullah, il nous l'a dit, بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ. Et c'est quoi l'amal? Est-ce que vous allez faire des actes des gens du bien? Ou des actes des gens de l'enfer, des gens qui ne sont pas bien? Al-amal, toutes les actions que vous allez faire. Toutes les prières que vous allez faire, toutes les sadaqat que vous allez faire, tous les péchés que vous allez faire, tout cela a déjà été écrit lorsque vous étiez dans le ventre de notre... lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Et ensuite, وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Et l'ange y vient avec ce décret qui fait peur. Si nous allons être malheureux, شَقِي أَوْ سَعِيدٌ, ou si nous allons être heureux. Et là, vous pouvez me dire, mais alors, mon frère, pourquoi œuvrer si Allah Jalla fi'ala, il a déjà écrit tout ça? Écoutez ce que nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la suite du hadith. فَوَلَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا خَيْرٌ. Par celui qu'il y a une divinité si ce n'est lui. Et c'est rare parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure de cette manière-là. Parce que lorsque le prophète jure de cette manière-là, c'est que c'est une chose importante. Il nous dit إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْأَهْلِ الْجَنَّةِ. Certes, parmi vous, il y a des gens qui feront les actes des gens du paradis. Allahu Akbar. Nous sommes à la mosquée. MashaAllah, on prie le tarawih, on fait le qiyam. On achète des mètres carrés, on donne de l'argent pour la mosquée et on fait les actes des gens du paradis. حَتَّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. Jusqu'à ce qu'il y a contre lui le paradis, ذِرَاعٌ, une coudée. Ce que vous voyez là, à peine 50 cm, la moitié d'un mètre, 30 cm pour des coudées plus fines, plus petites. Et là, tu vois le paradis, tu vois ces rivières de lait, de miel et de vin. Tu vois ses senteurs, tu vois ses palais. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. Et là, sa prédestination, sa destinée le rattrape. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Et avant de mourir, il fait quoi? Les actes des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Allahumma ihfazna min haula. Il va faire les actes des gens de l'enfer. Toute sa vie, il a œuvré. Il a fait des umrah, il a fait des hajj. Et à la fin, il fait les actes des gens de l'enfer. فَيَدْخُلُهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala le jette dans l'enfer. Subhanallah. Alors qu'on pensait être dans les gens du paradis. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-A'mal bil-Khawatim. Les actions sont celles de la fin. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma aj'al khayra a'malina khawatimaha. Ya Allah, fais en sorte que la meilleure de nos actions, ce soit celle de notre mort, celle de notre fin. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Et nous, on est prêts à juger les gens. Elle ne porte pas le foulard, il est dans les cafés, il est en train de rouler un joint, il fait n'importe quoi, il fait le haram. Il fait les actes des gens de l'enfer. حَتَّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. Jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et l'enfer une coudée, de la même manière comme l'autre. Allahu Akbar. Mais Allah, Jalla fi'ala, on a décidé autrement. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Et il fera les actes des gens du paradis. فَيَدْخُلُهَا. Alors, on est en droit de se poser la question. Si tout ça est déjà prédestiné, etc., pourquoi œuvrer? Eh bien, il faut œuvrer. Parce que la destinée, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu Jalla fi'ala, il connaît le futur et le passé de chacun d'entre nous. Alors pourquoi la personne qui a fait les actes des gens du bain, du paradis, et se retrouve en enfer? Écoutez bien, Allah ibarak fikoum. Ce hadith-là, que je suis en train de citer, il est le Bukhari. Et il y a un autre hadith qui est dans le Bukhari, de la même manière, qui dit que les trois premières personnes qu'Allah Jalla fi'ala va jeter dans le feu de l'enfer, la première personne, celui qui a appris le Qur'an, le hadith, le ilm, et qui l'aura enseigné aux gens. La deuxième personne qui va aller dans le feu de l'enfer, c'est celui qui aura eu énormément d'argent, qui aura construit des orphelinats, qui aura construit des mosquées et qui aura donné aux pauvres et aux nécessiteux. Et la troisième personne qui sera jetée dans le feu de l'enfer, c'est une personne qui aura levé le glaive, l'épée, pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura combattu l'ennemi et qui aura tué et qui se fera tuer. Et ils se retrouveront tous les trois devant Allah Jalla fi'ala. Et là on se dit, mais subhanallah, ils ont fait des actes de bien. Ils sont morts sur des actes de bien. Fait le Bukhari. Pourquoi ils se retrouvent en enfer? Et là, ils se retrouveront devant sa majesté Allah Jalla fi'ala. Et là, il lui dit, Ya Abdi, qu'est-ce que tu as présenté pour moi? Le premier dira, Ya Allah, j'ai appris le Qur'an et j'ai appris les hadiths pour toi. Et j'ai enseigné ça aux gens. Et il y a eu énormément de musulmans qui sont rentrés fidinillah et afwaja, en grand nombre. Et Allah Jalla fi'ala lui dit, Kadabt, tu n'es qu'un menteur. Tu n'as pas fait ça pour moi. Mais tu as fait ça pour qu'on dise, Masha'Allah, comme il est savant, Masha'Allah, comme il récite bien le Qur'an. De la même manière, on a fait cela pour celui qui a donné son argent. Masha'Allah, comme tu es généreux. Masha'Allah, comme tu es bon. Et la troisième, celui qui a levé le glaive et qui a combattu pour Allah. Masha'Allah, comme il est téméraire, comme il est courageux, comme il est brave parmi les braves.
Et tout cela, ces actions-là n'ont pas été faites exclusivement pour Allah. Donc de la même manière, il y a des gens, subhanallah, qui font des actes des gens du paradis, mais ils ne le font pas réellement pour Allah. Ils le font parce qu'il galérait chez eux, il n'avait pas une position sociale. Il vient à la mosquée, il peut exister. Il a retrouvé un lien social. Il a trouvé des gens avec qui parler. Il peut peut-être faire l'adhan. Il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas le hadith, mais il a des responsabilités au sein de l'association. Il n'aurait jamais pu exister s'il n'avait pas l'islam. Alors, il l'a fait pour Allah ou il l'a fait pour exister socialement? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Qu'il y a des gens, subhanallah, qui font des actes des gens du paradis parce que nous sommes dans le mois de Ramadan et peut-être qu'ils mettent le déguisement des gens du paradis pour Ramadan, mais dès que Ramadan y sort, ils retombent dans leur travers, ils se font rattraper par leurs démons. Les mosquées, elles sont remplies pendant Ramadan, malheureusement. Mais après, pourquoi elles disparaissent? Est-ce qu'on fait les actes pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Parce que lorsqu'on fait les actes pour Allah, Allah hayy alladhi la yamut, huwa al-hayy alladhi la yamut, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Mais après, qu'est-ce qui se passe, les gens? Pourquoi ils retombent dans leur travers? Et alors, celui qui vendait le shit, qui buvait de l'alcool, qui forniquait à droite, à gauche, etc. Miskin, ce dernier-là, n'avait pas des personnes qui pouvaient venir le voir pour lui dire « Allah, il a dit, Mohammed, il a dit ». Et il a grandi dans un contexte où il devait justement tomber dans ces gens-là. Comme il a dit le Nabi, alayhi sallam, « Al-mar'u ala dini khalili ». L'individu, il a le mode de vie de ses amis. « Faliyandur ahadukum man yukhalil ». Que chacun de vous fasse bien attention qu'il va côtoyer. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. Reste avec ceux qui vont évoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, désirant ardemment son visage. Donc mes frères, ce frère-là qui a été mauvais, que nous critiquions parce que nous le voyons faire des muharramat, il est fort possible qu'Allah jalla ta'ala, parce qu'en fait il avait un fond qui était bon, et parce qu'en fait si on lui avait parlé d'Allah, on lui avait montré qui était Allah et son prophète, il serait revenu à la religion d'Allah et de son messager. Conclusion, nous n'avons pas le droit de juger et nous n'avons pas le droit de croire que nous sommes, mashallah, au top. Nous devons œuvrer jusqu'à la fin de notre vie, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Wal-yaqin huwa'l-maut. Et la certitude, c'est la mort. Donc si nous sommes dans la mosquée maintenant, et que nous sommes en train d'adorer Allah jalla fi'ala, on loue Allah jalla fi'ala et on demande à Allah jalla fi'ala yuthabbitna ala ta'atihi, qui nous raffermisse sur son adoration. Mais si on voit des personnes qui sont au-delà de l'islam, qui sont loin de l'islam, ne les critiquons pas. Mais plutôt venons, mashallah, tabarakallah, avec le regard avenant, compatissant, plein de mansuétude et de miséricorde pour nos frères, pour qu'ils puissent revenir à la religion d'Allah. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم ادخلنا يا رب جنتك الفردوس اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا شابا الا زوجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الذين يفعلون ما امرتهم على اتباع وسنه نبيك محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين